Les amis, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un sixième épisode et donc pour la suite de notre aventure sur Splinter Cell Pandora Tomorrow. Donc on est resté dans la mission 5, donc la raffinerie en Indonésie. Donc on va reprendre où on en était resté, bien évidemment. En espérant qu'on puisse avancer un petit peu tout de même. Parce que la mission me paraît quand même assez longue et j'aimerais ne pas trop m'éterniser là-dessus, vous voyez. C'est pas celle-là que je voulais charger, je me suis planté. Quel nul. Quel nul, quel nul, quel nul. Il n'y avait pas possibilité de revenir en arrière. Putain, il m'est ok, on aurait pu mettre annulé quoi, merde. C'est pas ça que je veux aller, charge. Voilà. L'autre game, c'est celle-là que je voulais charger. Merci. Ça commence bien, vous voyez. Moi qui en plus était juste en train de me dire que je voudrais pas m'éterniser là-dessus. Quoi. Enfin bref. Enfin bref. Alors. Du coup. I'm inside the camp. The core of your mission is Sedono. He's on site. We need you to locate and trail him. But again, don't let him spot you. Pandora tomorrow? That's the idea. We haven't been able to trace his daily insurance call remotely, so we're going to need you to get in there with a TEP. Fifth Freedom with Sedono Militia. But don't get spotted before tapping the phone. Updates on your OPSAT. Okay. Ok, très bien. Alors, pour le coup, alors il y a un type là, d'accord. Faut que j'aille où ? It is, sir. Things are going good. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Putain. Ah oui, c'est vrai. Alors, attendez, du coup. Michael. Et bing dans ta gueule. Connard. Alors du coup, on va rester dans le noir. On va aller le planquer, le connard. Hein. Tiens, dans ta gueule. Il y en avait un troisième. Hein. D'accord. Merde. Merde. Il y a quoi là? Des munitions.
Alors attendez. Complications? Of course. Sedona changes the passcode for entry twice daily. He doesn't write it down. He gives it verbally to his three top lieutenants on site. So I grab one and make him talk. No. We need to stay discreet. We can't afford to have Sedona panic and skip a call. Use the sticky cam to overhear those conversations. Details on your OPSAT. You can use your sticky cam to overhear the code. How does it go? Real good. We're ahead of schedule. On? Product. We'll meet tonight. I want to review our distribution arms. I'll be there. Si je vais là, il va me voir. Quoique c'est pas une mauvaise idée. J'ai voulu le choper et je l'ai pas chopé. Alors du coup... Ah d'accord, je vois. Ok, très bien. Putain, j'aurais pu monter par là. D'accord.
Yes. Sauvegarder en plein vol. Ok. Merci, bonsoir. Checkpoint. Alors, du coup... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu, là ? Ah, t'es comme ça, toi. Il y avait un type, là, non ? Ah oui, il est juste là. What? Oh bah, en fait, au final, c'est bien là qu'il faut aller. C'est même pas, fallait même pas prendre la porte là. Ok. Merde. Merde. Et merde, et merde, et merde. Quoi ? Mais j'étais caché derrière le panneau, là. Oh putain. Allez, ça commence. Ouais, mais en fait, faut le laisser passer. D'accord. Bon, je voulais essayer de le choper quand même, mais bon.
Alors du coup, de retour ici. Voilà, comme ça c'était radical. Une fois que tu connais le pattern, ça va. Alors par contre, il y a l'autre là-haut. Il revient, ok. J'ai chaud. Ok. Donc là, il y a encore un type. Faut aller où? Il est là, ok. Deux types. C'est une blague. Rassure-moi, c'est une blague. Mais non, mais j'y ai pas pensé, mais je suis con moi. En fait, j'ai une autre idée. Attends qu'il se barre l'autre là.
ça c'est fait. Concerned about security. We're in good shape, though I wish you would stay out of plain sight. Don't worry, I'm fine. Bullets can't find me. Yes, but... Any risk is worth the confidence my presence gives our men, and the anxiety it causes the West. Have you seen the news reports lately? I don't watch TV. Come up to the big house tonight. I'll show you the news. They think I'm the devil himself. Today's passcode is 1492. Yes, sir. 1492. Good. There's a colonial home overlooking the compound at the end of the village. That's where Sedona makes his Pandora tomorrow phone call. But what? You'll need to be to tap it. Trail him, so you'll be sure to be there on time. Qu'il va le voir là. Alarm stage 1. Sam, don't be detected. Fisher, you need to be a ghost. You're putting the mission in danger. Ok, nice. Bah dis donc. Ouh, fallait bien s'en voir, moi je vous le dis. Heads up for you from Grimm. We're going to be losing touch in a second. There must be copper coils ahead of you. The refinery. Fallait le dire. Qu'il y avait quelqu'un ici. Putain. Cette blague. Got a heads up for you from Grimm. We're going to be losing touch in a second. There must be copper coils or some kind of grid ahead of you. The refinery proper is a dead signal hole. Good luck with your airplane, pilot. We're going to be out of contact as long as you're underground. I'll try not to get too lonely. Security stage increased. Stage 2. Helmet off. Alarm stage 2. Fisher, if you remain a ghost, the alarm stage will decrease.
C'est quoi cette blague? Avec moi, on va aller voir ton pote. Mais non, pas ça que je veux faire. Ok, checkpoint. Is the plane all right? Yes, it's almost ready to go. Go. Don't waste more time. Les gars, ouais, vous êtes gentils, mais... Mais comment faire? Le choix, hein. Là, il y a un moment donné. Eternal dirt. Thank God you found me, ignominious getaway. I'm short on time. What do I need to know? This name, Stanley Nakaryakov, Golden Triangle affiliated. He lives in the Lei Yuman district of Hong Kong, but don't broadcast it electronically. This part of the world is made of ears. My encryption is solid. I wouldn't count on it. There's more to Japan's ISDF than they're letting on. How do you know? I've seen two other CIA resources disappear. So how do you know it's the ISDF? Money knows everything. The name is Stanley Nakaryakov. Got it? Yeah. Just one piece of advice. Don't take your plane. Alors du coup... Cimer Albert. Welcome back to Fresh Air. Do you have the name? Fisher. Go tap that phone. We'll talk about the names later. Merde. Quoi? C'est une blague? Ah, je peux toujours pas le choper, lui? Mais nique ta race. Welcome back to Fresh Air. Do you have the name? Fisher. Go tap that phone. We'll talk about the names later.
Security stage back to normal. Putain, le bâtard. I'm gonna kill somebody if they don't stop shooting soon. That noise is gonna break my ears. Seriously, they're ringing. Nag, nag, nag. I'm a musician. My ears are very sensitive. Why do they always give us this patrol? What about me? I've got to listen to the constant gunfire and your constant complaining. I feel like somebody's kicking me in the head. Now there's an idea. Ok, une tourelle. Bon. Alors. Nope. Nice. Ouais, j'avais pas fait gaffe, ils ont mis les compteurs à zéro des alarmes. On reprend tout là, ok. Hop, tout de suite. Who's there? There's nothing here.
Merde. Alors, est-ce que je peux remonter au tuyau là? Non. Sérieux? L'autre, il est dans son délire, là. Voilà. Bah ouais, tout simplement. Ok, nice. Ah dis donc, c'est vrai qu'elle est longue hein, quand même cette mission. On aura fait un épisode et demi dessus. Attends, il y a une tourelle là-bas. Attendre que l'autre y vienne. Tiens, pauvre con, pauvre débilos. Du coup, nope.
vois pas dans quel sens c'est la toile là-bas. Là, elle revient. Ok, elle repart. Mirador, ok. C'est même pas un mirador, c'est une lampe. Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Elle est où la toile? Ah, d'accord, très bien. Je vois. Mais je peux pas y aller. Flûte. Alors, est-ce que j'ai pas... 1492. C'est bon? Oh, énorme. Today's code is 0526-5173-337-3889. Pandora tomorrow. Good. 2889. It's me. Today's code is 0526-5173-337-3889. Pandora tomorrow. Good. Oh, mais il le dit plein de fois. Non, mais c'est un gros numéro. Today's code is 0526-5173-337-3889. Pandora tomorrow. Good. Quoi? Mais non. Mais non, mais non, mais non. It's me. Today's code is 0526-5173-337-3889. Pandora tomorrow. It's me. Today's code is 0526-5173-337-3889. Pandora tomorrow. Good. It's me.
Today's code is 0526-5173-337-3889. Pandora tomorrow. Good. Je nique tout. Good work, Fisher. Oh merde. Putain, il était juste là. Me. Today's code is 0526-5173-337-3889. Pandora tomorrow. On va refaire comme on a fait. Hein. It's me. Today's code is 0526-5173-337-3889. Pandora tomorrow. It's me. Today's code is 0526-5173-337-3889. Pandora tomorrow. Good. Good work, Fisher. Alors. Niquer toutes ces ampoules à lui. Oh ben c'est pour l'extraction, donc on va. Brunton has a comm from Shetland. Says the snipers are in position. They're ready to fire. They'll only be able to take out men wearing red dots, so choose your moment carefully. Freeze!
Ah non, fallait pas que je bouge, bien sûr. Ok, ok, je vois. Je vois. Bien sûr. Ouais, ouais, je me rappelle de ça. Oh putain, faut que je... Ok. Today's code is 0526 5173 337 3889. Pandora tomorrow. It's me. Today's code is 0526 5173 337 3889. Pandora tomorrow. Good. It's me. Today's code is 0526 5173 337 3889. Pandora tomorrow. Good. Okay. Good work, Fisher. Donc tout, il va revenir. Voilà. Donc là, il va repartir. Ouais, mais c'est con parce que j'ai bougé tout à l'heure. Fallait pas bouger. J'ai voulu aller trop vite et puis j'ai pas... Je me rappelle. Brunton has a comm from Shetland. Says the snipers are in position. They're ready to fire. They'll only be able to take out men wearing red dots. So choose your moment carefully. Bien sûr, c'est fermé, forcément. Ok, donc c'est bien là. Et là, faut pas que je bouge. Fisher, freeze. Don't make a move. Shetland will take you out of there. Ok. Ok, désolé pour les yeux. Et là, c'est bon. Nice. Mockery of the U.S. military's inability to either capture or kill Suwadi Sadano. The guerrilla leader has appeared on the front lines of nearly every major. Being sold over the internet and have become popular across the world.
Even their wearers seem largely unsure whether or not irony is. I mean, it seems like we went to war without declaring anything, and a war we're kind of losing. I don't know what's... Bringing the smallpox vaccination death toll to 6. Still no word from government officials regarding... Donc, ben, nous voilà la mission 6, le chantier naval de Komodo, toujours en Indonésie, bien évidemment. Et du coup, ben, moi, ce que je vous propose, les amis, c'est de voir ça et de continuer la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits likes, les commentaires, les abonnements. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.